Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un autre épisode de The Genius Of. Et aujourd'hui, on va découvrir un leak de Joe Robinson, qui est un guitariste assez méconnu, que je vous encourage à aller écouter. Donc la citation est extraite de Out Alive, et on est en tonalité de Do mineur. Donc en une mesure, on a déjà tout dit quoi en fait. C'est ça qui est cool avec ce leak. Donc vous pouvez vous amuser à groover sur un accord statique de Do mineur et à placer ce leak éventuellement un coup sur deux quoi. Allez, on va déjà détailler un peu tout ça. Donc on va démarrer avec un bend. Et ensuite on enchaîne avec des sextolés de double croche. Et donc au niveau du picking pattern, je vous conseille donc pour le bend un coup vers le bas. Et ensuite vous allez faire un coup vers le haut, un autre coup vers le haut, suivi d'un pull-off. Et ensuite, une petite appoggiature à partir de la blue note encore une fois. Qui va nous amener à ça en fait. Hein. Et encore un autre pull-off. Et là après, on va faire. Vous pouvez aussi choisir d'utiliser plusieurs doigts au lieu de faire. Vous pouvez faire. Lui, il le fait avec des slides, hein, donc on essaie d'être assez fidèle quoi, mais. Moi, j'aime bien aussi le faire comme ça quoi. Et ici, on va faire encore deux coups vers le haut, avec ce que j'appelle moi le retour du doigt 2 en fait là. Donc ce truc là, hein, c'est cette espèce de position en triangle qui vous permet de faire des moulinets ou d'éviter des plats du doigt en fait. Donc lentement. Et là. Ratez pas le slide comme je viens de le faire. On a encore une appoggiature ici. Et on finit par... voilà, tout simplement. Encore un petit peu plus lentement. Voilà, on se le met un petit peu en contexte maintenant. Donc je vous encourage à bosser ce petit leak d'une seule mesure en penta de Do mineur qui est franchement vraiment cool et vous allez pouvoir vous amuser avec ça à le placer soit dans des blues mineurs, soit des backing track en Do ou même sur d'autres accords de cette tonalité, ça passerait aussi quoi. On se retrouve prochainement pour un autre épisode. Ciao.